Bonjour tout le monde et bienvenue sur un stream qui était extrêmement complexe à lancer. Hein. Mais c'est normal, un an et demi plus tard, on continue évidemment Dragon Ball Z Kakarot. Cela fait donc maintenant bel et bien 4 ans et demi que nous avons commencé ce jeu. L'expérience est de plus en plus longue. Enfin, pour de vrai, j'ai fait la bagarre avec tout, que ça soit les manettes, que ce soit la capture, et je fais n'importe quoi, parce que évidemment j'ai tous mes boutons qui ont changé, parce que, et non, mais c'est compliqué, tout est compliqué, je ne sais pas, les pilotes de Steam avec la manette fonctionnaient plus, j'ai dû tout refaire depuis le début. C'est un truc de fou. Attendez. Attendez, faut que je me refasse au bouton maintenant. Et ça va être complexe. Alors déjà, on s'était fait à des boutons, puis finalement on avait refait des boutons. Enfin voilà, c'est compliqué. J'ai dû redémarrer 2-3 fois le PC parce que OBS il voulait pas capturer l'écran. Mais il voulait capturer aucun écran, sauf l'émulateur GBA, ça il y avait pas de problème. Il se disait c'est sympa, enfin voilà, c'était... Mais bon, maintenant tout devrait bien se passer. Enfin, j'espère, tout du moins. Parce que voilà, j'utilise du coup mes pilotes de... Ah mais c'est Lunch. J'utilise mes pilotes du coup de... C'est temps de poser ces 14 Willy Waller 2006. Vous serez ce mémoire d'abonnement à vous du G. Merci beaucoup Pierre DH pour l'abonnement. Ouais, j'utilise du coup mes pilotes de manette. Quand j'utilise pour Genshin Impact, parce que les pilotes Steam fonctionnent plus. Les gens ils ont fait, ah non c'est bon, non, on a arrêté de décider, on a arrêté de fonctionner, c'est bon. Mais bon, à part ça, ça va, merci. J'espère que vous allez bien également. J'espère que vous êtes prêts à découvrir l'arc du tournoi, ou pas, parce que visiblement on va faire encore des petites quêtes annexes. Elle louche ton histoire de pilote quand même. Ouais, je sais. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais... Mais bon, écoutez, ça fonctionne. J'espère juste que ma manette va pas se débrancher toute seule. Et donc du coup, parce que je dois relancer les pilotes si jamais elle se débranche. Je dois les relancer les pilotes. Mais je crois que ça va sur... je crois que ça va sur Dragon Ball Z Kakarot si la manette se déconnecte. Le jeu s'arrête. Enfin, il se met pause quoi. Avec ta manette Switch, ouais, je joue avec ma manette Switch. Ben, globalement, je joue sur PC avec ma manette Switch de manière générale. Parce que c'est ma manette qui fonctionne le mieux, puis accessoirement, j'aime bien la manette Switch aussi. Donc, voilà. Et du coup, je suis absolument pas l'histoire. Parce que là, ça c'est un truc original. En Lunch, elle veut s'occuper de la ferme de Tenshin Han, mais il y a les méchants robots, évidemment. Ça me perturbe la voix de Sangoku avec son voix. Je dois avouer que la CU de Sangohan, Sangoten et Sangoku, c'est la même. Hein. Vous l'aurez bien évidemment remarqué. Merci beaucoup, Serial Gaming. Mais je dois avouer que dans ce jeu, je trouve que c'est... Enfin, d'habitude... Après, bon, elle commence à vieillir, donc j'imagine que c'est ça aussi qui joue. Mais je trouve qu'effectivement, on ne discerne pas trop la différence entre Sangohan et Sangoku. Je sais pas. Autant avant je trouvais que ça allait, mais dans ce jeu je trouve que effectivement, ou alors c'est peut-être juste ce jeu qui me fait cette impression, mais j'avoue que dans ce jeu je trouve que Sangohan et Sangoku se ressemblent beaucoup. Après comme je dis, de toute façon, c'est quand même une dame assez âgée aujourd'hui. Du coup. Allez, c'est bon, je vais y arriver. Je crois qu'aussi, merci beaucoup Nayansen pour l'abonnement, 36 mois, 3 ans, bien joué. Je crois qu'aussi, là, je me fais avoir à cause de Genshin Impact, il y a les boutons normaux, c'est-à-dire A est à droite et B est à gauche, B est en bas, enfin B à gauche du coup. Et là, bah du coup, en l'occurrence, c'est pas le cas, peut-être que je peux le changer. Hein. Attendez, hein. On va voir, est-ce que je peux le changer? Parce que bon... Ouais, on va changer. Donc ça, on veut que ça soit l'autre bouton. Voilà, exactement.
Ça devrait aller un petit peu mieux. Peut-être que je ferai moins de bêtises. Non, 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 je veux... Attends. Comment on sauvegarde? Somme ça. Oui. Voilà. Non, ça, c'est les boutons, c'est les boutons machin, donc... Donc ça, on s'en fiche un petit peu. D'accord. J'ai pas le droit d'avoir les boutons manettes, par contre. Bon. Bon. Non, 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 non. Veux-tu vraiment quitter sans sauvegarder? Oui, bon. Bon, bah, visiblement, on devra faire 100. On devra faire 100. On devra faire 100. On devra... Non, mais ça va être la foire. Ça va être... À quel âge la cellule de Sangoku? Ah, j'avoue que j'ai oublié, mais... Attendez, on va aller voir, on va aller voir, on va aller voir. Donc, à faire. Comme ça, au moins, je fais pas des bêtises. Ah ouais, non, mais d'accord, je me disais qu'elle avait effectivement plus de 80 ans. Elle a 85 ans. Elle a 85 ans. Voilà, c'est bon. Je suis bon. Je me sens nul avec mes 14 mois d'abonnement, mais non, il faut pas. Merci beaucoup à toutes les personnes qui s'abonnent. Ça nous aide beaucoup, hein, quand même, qu'on se le dise. Et puis, ça nous fait plaisir, hein, voilà. C'est pour ça qu'on ne la voit plus, Lunch, Senshin l'a oublié dans sa ferme, exactement. Après, j'avais vu aussi un peu plus haut quelqu'un qui disait je connais pas trop Dragon Ball et le jeu m'abuse quand même. Mais non, mais de toute façon, c'est pas grave, ce jeu retrace plutôt bien l'histoire du manga, donc c'est plutôt cool. Si je ne me trompe pas, Lunch, elle est comme Toko de Danganronpa. Elle change de personnalité en éternuant. Ouais, c'est ça. Ah, mais non, mais c'est une personne incroyable, effectivement. Masako Nozawa, comme c'est son nom, elle est vraiment très très impressionnante, je trouve. Surtout à son âge, de continuer de faire autant de doublage. Même si ça me fait beaucoup rire, parce que finalement. Il y a que Sangoku qui est vraiment un jeune homme dans les rôles qu'elle fait. Ah, il s'entraîne évidemment sur les Cybermen. Je savais que ça allait être des Cybermen. Je pensais que ce serait des robots, moi, je vous avoue. Bon, attendez, il faut que je me refasse au bouton, moi, du coup. Ok, donc ça, c'est pour un moment. Et donc, bon, on fait un coup. Ah, bah oui, c'est juste ça. Hein. C'est vrai, c'est bon, tout va bien. Attention, les Cybermen hyper forts, hein, on n'oublie pas. Ce qui est bien, c'est que je trouve, très honnêtement, d'ailleurs j'ai un combat aussi à côté de moi, combat de chat dans le temps. Ce qui est bien, c'est que, en fait, je trouvais honnêtement que la dernière fois que j'avais joué au jeu, je me disais, ah ouais, ça y est, je commence à prendre... Je commence à prendre le coup sur le gameplay du jeu et finalement bon bah voilà, il s'avère que la blague ne fut de courte durée et maintenant c'est fini quoi, c'est bon, c'est sûr. Bon bah on remerciera, j'imagine, Genshin Impact, hein. c'est de sa faute. Moi je dis c'est de sa faute, faut toujours accuser quelqu'un d'autre. Non, c'est pas vrai, faut jamais accuser les autres, c'est pas bien. J'ai fini le jeu sur Switch, mais il y a beaucoup de crash, heureusement que la sauvegarde d'auto est là. Ah, moi ça va, j'ai jamais eu de crash, hein, honnêtement. Le jeu depuis longtemps, j'ai jamais fini le premier chapitre. Ah, voici les fermiers de Tenshin Han. Trop bien, avec son costume, on ne savait pas si tu es un SSJ1 ou un SSJ2. Exactement. Et je ne vous dirai pas en quoi je me suis transformé. Salut, ça va? Tu en es où dans Dragon Ball Z Kakarot? Là, on en est dans la saga Buu, juste avant le Budokai Tenkaichi. Donc, on est dans une histoire annexe avec Lunch qui fait la fermière. Et sinon, c'est lequel, d'après toi, le méchant qui a le plus souffert? Attendez, Raditz. Enfin, si on part de Z, après, bon, c'est sûr que si on part du normal, pas que le point. Hein. Bah, techniquement, l'arme du ruban rouge a bien dégusté. Hein. Et sans Gohan, Great Saiyan, a du Super Saiyan avec cette tenue. Bah, techniquement, il se transforme en Super Saiyan pendant le Budokai Tenkaichi. Je vais mettre pause parce que je ne lis absolument rien, c'est incroyable.
Ouais, donc Sangohan c'est ensemble en Super Saiyan, en Great Saiyaman dans la saga Buu pendant le Budokai Tenkaichi, et il le fait également dans Dragon Ball Super. Donc bon, certes pas dans Z, mais dans Super il le fait. Je crois qu'il le fait peut-être dans un film. Et Lunch a changé de couleur, elle change de couleur quand elle éternue. Quand elle a les cheveux bleus, elle est gentille et gentille. Et quand elle a les cheveux blonds, bah, elle garde quand même globalement la même personnalité, sauf qu'elle est quand même beaucoup plus agressive, et donc du coup elle taquine tout le monde. Avec des fusils, évidemment. Enfin là, en l'occurrence, il n'y a pas le côté fusil dans Kakarot, mais... Ah bah voilà, démonstration en direct, merci. Merci, merci. D'ailleurs, je crois que c'est jamais été clairement dit, mais... Enfin, si, ça l'a dit, mais le côté blond de Lunch est très amoureuse de Tenshin Han, mais on sait pas finalement pour le côté bleu, en fait. Et dans le jeu, il peut se transformer en Super Saiyajin avec son costume. Ouais, ouais, il peut. Ça me fait trop bizarre maintenant d'entendre Lunch parler quand je sais que... Enfin, quand j'ai plutôt vu récemment One Piece... Avec Big Mom et tout. Incroyable. Est-ce qu'elle est comme Toko? Elle partage pas leurs souvenirs entre personnalités. Elle le partage pas, effectivement. Elle se demande à chaque fois pourquoi et comment elle s'est retrouvée là. Il se transforme une fois dans son costume dans Super. Oui, il se transforme une fois dans son costume dans Super. Je sais plus si dans les films avec Great Saiyan 2, il se transforme, je ne sais plus. Mais je crois que non. Hein. Dans le film de Fusion, je crois qu'il se transforme pas. Mais Lunch s'est fait complètement oublier dans Dragon Ball Z, ils sont sympas, ils l'ont mis dans le jeu. Mais c'est même pire que ça en fait, c'est Akira Toriyama qui a avoué, ah ouais non mais j'avais complètement oublié ce personnage, je suis désolé. Mais dans la série animée, on la voit, elle conduit un camion dans la scène finale de Dragon Ball. Peut-être qu'on la verra conduire son camion, je ne sais pas. Dites-moi, c'est Freezer vu qu'il a résisté plusieurs fois pour être retué. Bah, j'imagine qu'effectivement, si on parle de défaite amère, je pense que c'est effectivement plus. Monsieur Freezer qui s'en est pris le plus plein la tête. Je sais même pas pourquoi on veut aller voir Bulma là du coup. Je sais même plus pourquoi. Lunch en camion égale food truck. Ah, si ça se trouve, attendez. Il faisait des blagues méta. Ah non, c'est pour le championnat, ok, d'accord, très bien. Ah oui, je croyais qu'on l'avait déjà dit. Très bien, très bien. Non, il faisait des blagues méta dans l'anime, c'est pour ça. Ce vantard. N'oublions pas le commando Ginyu la grenouille. Ah non, mais très bon personnage. Je me demande si on va le revoir, tiens. Elle est gentille mais coriace. Je crois que c'est à cause de ma voix. Non mais elle a été trop smart dans le jeu. Bon, en soi, tu me diras, hein, ceux qui remarquent pas que Sangohan et Great Saiyaman, c'est qu'ils sont pas très malins non plus. で、何?声も変えられるようにヘルメットを改造してほしいわけ?いえ、そうじゃなくて、天下一武道会ではヘルメットとかプロテクターなどの装備はつけてちゃダメらしいんですよ。だからこのヘルメットの代わりになるものが何かないかなと思いまして。ふんふん。要するに
Anti-rattrapage. Eh oui, bienvenue à l'anti-rattrapage, d'ailleurs. Qu'on se le dise. Je sais plus si je l'ai dit, mais bienvenue. Après, on dit que c'est Goku qui change le plus de coiffure avec ses transos, mais on parle pas assez de Bulma. Non mais Bulma, elle change à chaque arc, c'est incroyable. Twitch mobile de me censurer ce pauvre guignu la grenouille, mais comment ça se fait? Mais non, mais Bulma, elle est incroyable. Bulma est incroyable. Akira Toriyama, il était à fond sur Bulma. Parce que je devrais rattraper les rattrapages un jour. Tout comme ton père. Ah non, mais tout comme ton père à Sangohan, ok. T'avais pas arrêté de te battre, Vegeta? Bah non, mais depuis qu'il a un fils, c'est bon, il s'est dit c'est cool, quand même. On va l'entraîner. Je veux dire, vous entrez. Pour la défense de Vegeta, il dira c'est bon, on n'a pas besoin de travailler, on a déjà masse d'argent.誰?バターイ!楽しみにしているぞ。覚悟しておけ。俺は随分腕を上げた。俺もだ、ベジータ。じゃあみんな、天下一部同会で会おうぜ。よかったわね、ごはんくん。早く、お母さんやごてんくんや、クリリンくんたちに伝えてあげなきゃ。はい。いいぞ。面白くなってきた。 Goku qui revient au final juste pour se battre. Bah, c'est pas ça, un shonen neketsu. C'est pas la base. Sur tu reviens juste en vie pour te battre, parce que après le reste, bon, pas très intéressant quand même. Ah, on a débloqué des histoires secondaires. Ah bah, il y en a une juste à côté. Là. J'y vais en marchant quand même. Faudrait pas aller trop vite, parce que sinon... Sinon, on irait trop vite et ça serait dommage. Ah, on va se battre avec Trunks, je pense. Trunks ne tient pas en place. Aide-le à passer le temps. Ces lunettes que porte Sangohan sont incroyables. Ah mais non, mais j'ai trop hâte là, il faut que je le transforme. Ah ouais, ça se fait pas pour Sangohan. Son Trunks, oh là là. Sur le sujet porté, j'aimerais qu'on ait un endroit où je pourrais libérer toute ma puissance. Je me suis entraîné avec Piccolo, un terrain hostile qui regorge de dinosaures. Ah, j'avais vu tout à l'heure quelqu'un qui parlait de dinosaures. Quel est ton personnage préféré de Dragon Ball Z? Ah, si on part sur du Dragon Ball Z, j'avoue que c'est très probablement Sangohan quand même. C'est très probablement Sangohan. Si on part sur après tout l'univers étendu avec Super, ah j'avoue que là, ça devient plus compliqué. J'aime beaucoup la plupart des personnages après. Mais j'avoue que... Ça a toujours été une question réellement compliquée pour moi à répondre au niveau de... Qui est mon personnage favori de Dragon Ball. Parce que franchement, ils ont... Bah, je sais pas, je les trouve tous cool. Ils ont tous leur point fort.
Une dino ont pris en chasse et je leur ai flanqué une raclée, ils ont déguerpi. On devrait s'affronter. Comme c'est étonnant. Je sais pas pourquoi j'adore Boo. Ah non mais Boo est très rigolo. Boo est très rigolo et même je sais pas, globalement son arc. Allez, on va juste transformer en Super Saiyan. Attendez, il est comment du coup, son Gohan? Oh, j'arrive pas à le voir, dommage. Ah, il tient bien, regardez-le là. Il se défend comme pas possible, incroyable. Ah, il s'est jeté dedans, c'est beau. C'est beau. C'est un peu unfair comme combat, hein. Moi je trouve que ce combat est un peu unfair là. Je me suis trompé de bouton. Ah c'est bien ça. Ah, c'est bien ça! Moi j'aime bien les ennemis qui ne bronchent pas aux attaques, ça fait toujours plaisir. Alors, c'est X pour tirer des petites boulettes, ok. Faut que je me souvienne de tout, hein. c'est incroyable. J'oublie tout, tout le temps. C'est une aide de primeur quand même. Ah ben oui, non mais c'est très important de montrer Sangohan sous sa forme le plus frimeuse. Et encore, on n'a pas atteint le paroxysme de... Solide sa garde, on voit qu'il a l'habitude de servir de punching ball à son père. Je ne savais pas que Trunks enfant savait utiliser la burning attack et pourtant, il sait le faire. Il fallait perdre ce coup-ci, mais en même temps... C'est un niveau que je vise, je veux encore t'affronter pour m'améliorer. Je veux impressionner mon père. Mais j'ai encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire, c'est pour ça que je veux t'affronter. Bon, tu te raccompagnes tout seul, hein, par contre. Il reste là, bon, ça va, très bien, très bien. Sinon, je vais bien, j'espère que toi aussi. Oh purée, il y a plein de quêtes. La frime avant l'anonymat, mais tu peux être anonyme et frime tout en train de frimer. Ah, décidément, tout le monde veut voir des trucs avec Tenshin Han, hein. On dirait que Tenshin Han n'est pas là, je devrais peut-être parler à... Ok, merci. À Chaozu. Il se trouve que Chaozu est en train de broyer du noir. Oh, comme c'est triste. On le fera puis on l'abandonne, parfait. Je vais te parler du championnat du monde, du fait que mon père va revenir. Ok, d'accord. En fait, où est Tenshin Han, je ne détecte pas. Il est parti s'entraîner quelque part et masque probablement son ki pour méditer tranquille. Ouais, c'est juste que je ne suis pas habitué à vous voir séparer. Tu vois, mon Tenshin Han a constamment besoin de moi. Si on revient sans cesse plus puissant et je ne parviens pas à le rattraper, peut-être qu'il vaudrait mieux que je le laisse. Non, je pense pas que ça soit utile. Chaozu. D'autres cerfs sèment la pagaille dans les champs, il y en a beaucoup. Est-ce que tu voudrais bien nous aider à les éloigner? Nous te demanderons pour ton temps, bien entendu. Vraiment, merci beaucoup. Très bien, ses parents. Comptons sur vous, il suffit d'en éloigner quelques-uns. Donc, près d'Asune, au sud du village, je les gère partout ailleurs. Ouais.
Amis, tu ajoutes des amis sur Switch ou pas du tout? Ça serait sympa de faire un Mario Kart ou un Pokémon Unite un jour ensemble. Bah, en fait, techniquement, on pouvait m'ajouter, mais techniquement, c'est pas très très utile parce que bah, je joue jamais en multi en fait. Plus particulièrement, en plus, je ne joue pas à Mario Kart. Mais c'est B pour sauter, du coup. Ok. Enfin, A, mais. Mais B, je crois, sur une manette Xbox. Hein. C'est compliqué. Voilà. On va chasser du cerf, là. Ok, d'accord. Non, 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 non. Non, on va chasser du cerf, on a dit. On chasse du cerf. Voilà, mais c'est comme ça qu'on chasse, évidemment. Enfin, là, on est en train de les éloigner. Ça va. Regardez, hop, on éloigne, là. Hop, hop, il est éloigné, c'est bon. Ah, mais c'est une super strat pour éloigner les cerfs. Il suffit de donner un coup de poing dans les cerfs, comme ça, paf, c'est bon. Il n'y a plus de cerfs, après. Vous pouvez essayer en forêt, ça marche bien. Non, faites pas ça. Il y en a un là, hop. Alors, et qui c'est qui veut fuir encore là? Ah, il est là, celui qui veut fuir. Et voilà. Voilà, on a bien fait fuir les cerfs, c'est beau. Ouais, je sais qu'avec la configuration de Steam, on peut. Mais justement, en fait, je le faisais à la base. Et à la base, tout à la base, je ne le faisais pas, mais après, je l'ai fait. Mais le problème, c'est que le pilote Switch fonctionne plus. Enfin, le pilote de Steam ne fonctionne plus. Enfin, je ne sais pas pourquoi. Alors justement, c'est la grande question que je me posais avant de démarrer le stream. Jusqu'à au moment où j'ai remarqué que finalement, il y avait aussi la capture de fenêtre qui fonctionnait pas. Enfin, si ça se trouve, ça pourrait fonctionner maintenant. J'ai pas réessayé. Ah, mais bon. Pas beaucoup d'argent, quand même. Ça vaut que vous êtes encore, comme toujours. Le cerveau fait s'asseoir. Bon, ça c'est sûr. Son pouvoir de télékinésie nous protège des animaux et son aide pour le travaux des champs. Je fais un spécial en fait. Je donne simplement un coup de main quand je coupe. Ça me semble pas beaucoup, mais tu nous aides énormément. Il a raison. Je ne veux plus t'entendre dire que ce n'est rien de spécial. J'imagine que tu retesteras en off. Ouais, bah non, mais là c'est sûr que. J'ai pas démarré Kakarot depuis. Je n'ai pas redémarré Kakarot depuis. Depuis le dernier stream en fait. Parce que la semaine dernière, j'ai pas pu jouer, comme vous avez vu. Et je ne serais pas l'homme que je suis sans toi. Et puis bah du coup, j'ai pas retesté. Mais à mon avis, ça doit être à cause du fait que je suis rentré en conflit avec le fait que j'utilise un autre pilote pour pouvoir jouer à des jeux PC avec la manette Switch Pro. Parce que sinon, ça marche pas très bien avec le pilote Steam, parce que ça fait des inputs aléatoires dès que t'es en dehors de Steam. Ce qui est très très fort pénible d'ailleurs. On va avoir un stock de viande comme ça. On va avoir du gibier. Et voilà, bien heureux. Ah, mais du coup, on lui a pris tout son argent. Oh là là, regardez là-bas là. Ça, c'est des bonus, tout ça. Ah oui. Ouais. Là, on prend du blé. Ça fait toujours plaisir d'avoir du blé. Ok, très bien. Ok. Ah, mais il y a encore une quête. Satan City. Je vais appuyer à chaque fois sur B quand je vais appuyer sur A. Gros, Chaozu, c'est le seul qui travaille. Pendant que Tenshin Han médite, c'est pour ça qu'il a besoin de lui. Ah mais non, mais vous voyez, il y a toujours ça, hein. c'est comme ça, il y a toujours quelqu'un qui fait rien, qui médite et qui s'entraîne, et l'autre qui doit s'occuper de du reste. Ah mais c'est la copine de... Eh mais attendez, il y a un truc que j'ai pas testé, il peut conduire maintenant? Je sais plus si on l'avait fait, mais... Ouais, il peut conduire. Attends, comment on fait déjà? Ouais. Il peut conduire sans Gohan à son permis, c'est incroyable, bien joué! Oh là là! Oh là là là, fantastique, fabuleux! Alors comme ça, vous dérangez mon ami. Comment on sort déjà comme ça?
Il y a une ville qui s'appelle Satan City, ça fait sourire mon petit cœur de démon. Mon petit cœur tout court. Je ne sais plus si on l'avait fait. Je ne sais plus non plus, en tout cas. J'ai dit non. Tiens, c'est Erasa de l'école. On dirait qu'elle a des ennuis. Erasa se fait harceler par un sale type. Le Gret Sayaman, défenseur de la justice, se doit de l'aider. Bien sûr. Tant Sangwan n'était pas venu pour leur parler du championnat. Ah mais c'est bon maintenant. Je m'en rappelle, sinon j'appelle à l'aide. Il n'a pas de nez, incroyable. Et il est encore plus mignonne quand tu te mets en colère. Et toi, laisse cette fille tranquille, tu ne vois pas que tu l'embêtes. Te cul, toi. Ah, lui, il a un super nom, il s'appelle Séducteur. C'est le Séducteur sans nez. C'est quoi ce nom débile? Il vise un peu ta tenue, il y a quelque chose qui tourne pas rond chez toi. Ça suffit plus, hein. Pouf. Évidemment! 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 Attendez, on va se transformer en Super Saiyan. D'accord. Quand même! Quand même! Ah, ça respecte pas là! Ça respecte pas les gens! Là. Monsieur Sané là! C'est bon! C'est bon! Tu voulais pas venir là? Alors qu'est-ce qui se passe? Tu viens pas finalement? Ça c'est d'esquive, ça c'est d'esquive. J'avais une question à propos de... Le roi séducteur ne vient jamais, ne sort jamais sans son robot pirate, mais bien sûr. De type 2 s'il vous plaît quand même. C'était pas n'importe lequel, c'est le robot pirate de type 2. Pour OET Rando, non, c'est pas exclusif au PC. Tu peux y jouer sur Switch si jamais tu as la possibilité d'installer un émulateur sur ta Switch. Mais sinon, tu peux également y jouer. Bah, tu peux également y jouer sur Nintendo 64. Tu peux également y jouer sur Wii ou sur Wii U. Bah, sur toute plateforme qui peut émuler, soit qui a la disponibilité de. Enfin, je dis Wii U, je sais pas, en fait, c'est possible sur Wii U. Bah, si, c'est possible sur Wii U. Mais avec le V8, je crois pas que ce soit possible sur Wii U. Wii U. Je déteste les mecs comme lui. Merci de m'avoir débarrassé de ce gros lourd. Tiens, de me remercier, tout ce qui compte, c'est que tu sois saine et sauve. Oh non, Videl, qu'est-ce qu'elle fait là? Je suis venu le plus vite possible dès que j'ai reçu ton signal de détresse. Est-ce que ça va? Tu arrives trop tard, Videl. Samus Aran est déjà venu. Non. Comme tu t'appelles déjà, le Gret, je sais pas quoi. Le détenteur de la justice, le Gret Sayaman. C'est ça, il y avait un gros lourd qui ne voulait pas me lâcher, il avait pas de nez, mais le Gret Sayaman l'a fait fuir. T'as pitié, ne dis pas que... Tu ne veux pas que je révèle ton identité secrète, hein, d'accord, je veux bien jouer le jeu. Ouf, tu me sors la vie. Le Gret Sayaman, ça me dit quelque chose, tu es ce héros dont tout le monde parle, non? Ouais, c'est moi. T'as une voix sexy et tu es assez grand et ses lunettes. Et mais ses lunettes. Et ce bandana. Ah là là. Tu as l'air fort. En plus, tu pourrais sûrement protéger n'importe qui. Et je parie que tu es canon sous ce casque. Ah oui, super casque. Hein. Waouh. Oh, tu entends ça, Gret Sayaman? Ça doit faire plaisir de recevoir tous ces compliments. Non, je me sens plus gêné que tu. Et tu es du genre sportif. En plus de tout ça, tu m'intéresses carrément. Dis-moi simplement ce que tu as. Que tu as le permis. Eh bah oui, évidemment qu'il a le permis, on est arrivé en voiture en plus. Allez, emmène-moi faire un petit tour. On vous attendra. Allez, Videl, on y va. Comme ça, on vous attend... Quoi, on vous attendra? C'est qui, on? Comment on vous attendra? Avec Sangwan, trouve Erasa et termine le contre... Quoi? Attendez. Mais attends. Du coup, je conduis pas, là. Quoi? On vous attendra? Mais ça veut rien dire. Attendez, on va faire la course? On va faire la course en voiture, là? Oh, on va faire la course en voiture, c'est bon! C'est bon! C'est bon! Je sais pas, après, est-ce que les gens ont envie de faire un truc sur VC Wii U? Je ne sais pas. Ouais, non, j'avoue, je ne sais pas non plus, mais... Enfin, en tout cas, ceux qui sont intéressés par le randomizer, ça m'étonnerait qu'ils soient très intéressés... Aussi. Bah, OT3D, c'est un autre rando aussi. C'est pas exactement le même que celui sur 64. Même s'il se met à jour quand même, et c'est pas trop mal de ce que j'en vois.
Savoir conduire, c'est une importance capitale. Quand tu sors avec quelqu'un, il faut bien que tu puisses l'emmener au restaurant ou autre, non? Comment j'ai fait pour me retrouver dans cette situation? Vroom vroom en voiture. Voilà, exactement. Vroom vroom. Ah, mais Dragon Ball Z carte, on l'a, hein. On l'a fait déjà. Puis, attendez, mais j'ai oublié comment on conduisait, moi! Comment on conduit? Ah, comme ça. Très bien. Plus j'ai bien amélioré ma voiture là. Enfin, c'est pas vrai, mais. Enfin, je l'ai amélioré techniquement, c'est pas faux, mais. C'était il y a longtemps. Du coup, depuis, je dois sûrement pouvoir faire des trucs bien mieux, mais. Mais comme je disais que j'ai pas rejoué depuis la dernière fois, mais. Oh là 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 là, mais regardez-moi cette vitesse incroyable! On est instoppable! Oh là là! C'est incroyable. Par contre, la caméra, elle se retourne pas. Y'a pas moyen de la mettre derrière. Mais... Ah, on y va. Petit bonheur, la chance. On est trop rapide. On est. Oh non! Oh non, ma voiture! Oh mais non, j'avais pas vu! Non, c'est pas grave, on s'en fiche, notre voiture est trop forte. Ah oui! Ah oui, 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 oui. Attendez là. Ça sert à rien, mais c'est pas. Ça nous fait plaisir. C'est un super. C'était marrant! Go mettre le thème de Broly à la radio 100% ça la CG. Ah, j'avoue, hein. Franchement, moi je pense que tu. Je pense que n'importe qui, il prend n'importe quelle autre personne dans une voiture et qu'il met le thème de Broly. La personne, elle est en mode. C'est bon. Je sors avec toi. Forever. Je me marie même. Dans l'immédiat, on se marie. Attends, il s'est débarrassé. Ça devrait déjà montrer de quoi il est capable. Je sais qu'il maîtrise les arts martiaux, mais je veux voir s'il est aussi doué en matière de sport. Gretsayaman, va au terrain de sport du lycée Orange Star. Je t'attendrai là-bas avec Videl. J'ai vraiment envie de m'éclipser, mais quelque chose me dit que je le regretterai plus tard. Tu ne peux pas faire confiance à Videl. Regardez-lui, il veut faire la course, là. Regardez-le. Yo. Tu veux tenter ta chance dans un contre-la-montre. Vas-y, on va faire une course, on n'a jamais fait. On n'a jamais fait une course. Let's go, let's go. On peut mettre la vue à la première personne surtout. Attendez, c'est pas genre exactement ce qu'on vient de faire. Voilà, on va le faire en mode vue première personne. Je dois vous avouer que dans les jeux de course, je ne joue jamais comme ça. Je ne joue jamais comme ça. J'ai un mal fou à voir où est-ce qu'il faut aller quand on est comme ça. On va dire c'est du challenge supplémentaire. Je sais qu'il y a deux teams justement dans la vie, ceux qui préfèrent la vue à la première personne pendant les conduites. Oui, c'est exactement la même course en fait. Mais je dois avouer que moi je suis... Oh, remarquez, grâce à la caméra, au moins la caméra elle met pas 30 ans à se décaler. Mais j'avoue que moi je suis plus team du coup. Je suis plus team. Ah, quel talent! Mais quel talent! Je suis plus team bah du coup vu à travers personne. J'essaie toujours de faire ça sur Mario Kart 64 et je fais n'importe où avec. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à un jeu de course, ceci dit. Oh, Lunch, elle est trop rapide! Mais on a battu serviteur de Monsieur Satan, mais incroyable! Pilote de course, l'immortel autoproclamé. Comment ça, immortel autoproclamé? Je veux rencontrer ce NPC. Il me faut rencontrer ce NPC. Je veux rencontrer immortel autoproclamé. Ta course, tu vas finir par entrer dans les annales. Ah, mais tu peux en gagner plein de trucs! Oh! Bon. Allez, il suffit. Nous partons jouer au baseball, j'imagine. Ouais. Oh purée, j'espère que je vais pas faire n'importe quoi. Je suis aussi team vu troisième personne et pas dans ce jeu. Qu'on mette ça sur Mario Kart obligatoire. Mais vous pouvez jouer comme ça sur Mario Kart, ça s'appelle Mario Kart Home Live Circuit, je sais plus quoi là. Qui est sorti au mois de septembre dernier. Ça fait genre un an qu'il existe ce jeu en fait. Je crois. Salut les filles, qu'est-ce que vous faites là? Vous savez qu'on n'a pas cours aujourd'hui, hein.
Oh, ce n'est que toi. On est venu ici pour voir comment ce garçon se débrouille avec une batte. Ce garçon, le défenseur de la justice, le Great Saiyaman. Eh, salut. Hein, le Great Saiyaman quoi? Ah, c'est toi dont tout le monde parle. Alors, c'est lui le défenseur de la justice, on n'arrête pas d'entendre parler, il n'a pas l'air très impressionnant. Et si vous cherchez un lanceur, je suis votre homme. Oh, je voulais que ça soit Videl. Allez, laisse-moi faire, j'ai du temps libre et j'aimerais bien savoir ce que ce défenseur de la justice est capable. Ça pourrait être marrant de le faire passer pour un loser encore plus minable qu'il en a l'air. Bon, mais y a moyen, y a moyen en plus, hein. Là, y a moyen, là, y a moyen, là, y a moyen. Moi, je propose qu'on se transforme en... Non, mais arrêtez, je pourrais avoir les boutons quand même. Je sais plus c'est quoi le bouton. Jouer à la balle. Ah, c'est swing. Oh, mais non, mais c'est lequel, le bouton A? Ok, c'était lui. Très bien. Putain, elle n'a pas fait un bon. Allez, c'est pas grave. Ouais, mais non, trop tôt. Trop tôt. On fait que 43 km là. Tout à l'heure, on avait fait bien mieux. Oui, tout à l'heure, hein, c'est bon. C'était il y a 2 semaines, mais bon. Waouh. J'arrive pas à croire qu'il ait réussi à envoyer un de mes lancers. Évidemment, c'est Sangohan quand même. Évidemment, c'est Sangohan quand même, hein. Franchement. Ah, Videl, tu tiens en respect à ce point Sangohan là. Rien à redire, niveau sport, tu conduis plutôt bien en plus. C'est décidé, tu as réussi à le test pour être mon petit copain. Ton copain? Moi, je suis désolé, mais... Ouais. Et quand est-ce que tu veux qu'on ait notre premier rendez-vous? Je suis libre tout de suite, moi. C'est-à-dire que... Attends, ça veut pas dire que tu ne veux pas sortir avec moi. Ce n'est pas ce que tu insinues, quand même. Non, je veux dire que... Grâce à ça, je crois qu'il doit partir. Ouais, c'est ça. Il y a sûrement plein de gens qui ont besoin d'aide quelque part. Je ne peux pas les abandonner. Toutes mes excuses. C'est ici que nos chemins se séparent. Oh, tu ne m'as pas donné ton numéro. Je n'ai pas de téléphone. Comment je suis censé t'en contacter alors? Qu'est-ce que t'attends, Great Saiyaman? T'as pas quelque chose à faire? Ah si, tu as raison. Au revoir. Elle voit partir, dire que je croyais avoir trouvé le copain idéal. Soupir. Videl. Tu connais ou quoi? Oh, qu'est-ce qui te fait dire ça? Eh bien, c'est juste que tu as l'air un peu de mauvaise humeur. Moi. Je vais aller dormir. Bonne nuit, Ika Gaming. Oh, que si. Tu me caches quelque chose. C'est pas bien de cacher. L'échappée belle, heureusement que Videl était là pour me donner un coup de main. Tout ce que je voulais faire, c'était aider une jeune fille en détresse. Je n'imaginais pas que ça déboucherait sur un rendez-vous. Bon, attendez, on peut faire du baseball. Je veux faire du baseball. Vous m'entraînez là. Non, on peut pas. En fait. Ils sont déjà partis. Mais sérieusement, il faut que tu apprennes à être ferme. Ça m'a donné la migraine de devoir plier à toutes les exigences des Raza. On peut pas faire de baseball. Quel dommage! Quel dommage! Bon, c'est pas grave. Du coup. Le rêve de tout mineur. Ok, donc on a fini, il semblerait, pour le moment. On n'a toujours pas fini d'appuyer sur B, ça par contre. Hein. Videl ne défonce jamais les sourcils. Ah non, bah non. Là, elle est encore en mode tsundere. Donc. Mais bientôt, peut-être, qu'on débloquera son côté gentil. Je dis pas. Regarde, pour une fois, on y va normalement, comme des gens civilisés. On n'atterrit pas en mode grosse brute. Demande si la partie de baseball entre Universis et Universel. J'avoue qu'il y a... Bah non, je pense pas du coup. Parce qu'il y a que Beedus et Freezer. Je crois en DLC. Vu que ça se passe après. パパ頑張っちゃおうかな。おい、キコロには教えんなよ。
俺が5位までに入る可能性が少なくなるから。いや、そういうわけにはいきませんよ。ところでお前、なんでそんなおかしな。C'est tenu archi-ul. Ah, trop méchant. 何言ってんですか。Ils ont une fille, je savais pas ça. Eh si si si. クリリンさんもセンスが鈍りましたね。じゃ。C'était trop vénère pour ce tournoi. Mais elle veut de l'argent et accessoirement elle en a marre de vivre ici. Donc elle veut de l'argent pour pouvoir déménager. Parce que là elle vit avec Krilin sur l'île de Tortue Géniale. Ah bah on a... Bon. D'accord, très bien. Très bien. On atterrit. Très bien. C'est pas fini. Alors qui... Oh. Est-ce qu'on peut parler par la fenêtre? Ah, quel dommage, on ne peut pas parler par la fenêtre. Me voilà fortement désappointé. Bizarre, tu n'es pas du genre à soupirer comme ça, c'est 18. Qu'est-ce qui te tracasse? Ah, Krilin. Dans ce qui se passe en voie indiscret, je pourrais en savoir plus. Ah, on va gagner de la recette repas viande super deluxe. Cyborg inquiet. Très bien, très bien. Il cherche du travail depuis quelque temps. Maintenant que les combats sont terminés, il faut qu'il trouve un emploi stable. Jusqu'à présent, il n'a rien fait à part des arts martiaux. Il n'a aucune expérience professionnelle. D'autres raisons qu'il a obtenu aucune offre d'emploi. Il le vit assez mal. C'est triste de le voir comme ça. Il doit bien avoir moyen de lui remonter le moral. Quelle épouse prévenante tu fais. Ne te fais pas d'illusions. Si je tiens à lui rendre sa joie de vivre, c'est pour Maron, pas pour moi. Je m'affiche éperdument qu'il déprime. Il me tape sur les nerfs. Bref, essaie de sortir du trou. T'as des idées? C'est ça qui le tracasse, début. Je pensais faire un petit coucou, maintenant que je savais que Sangoku allait revenir, donc voilà. Je vois que tu te fais beaucoup de soucis pour ton mari. C'est pour Maron que je m'inquiète. Ouais, ouais, ouais. En fait, je suis jalouse de toi, mon idiot de mari ne fait aucun effort pour trouver du travail. Ça fait vraiment penser à maman. Toujours en irlandais, papa, parce qu'il ne travaille pas. Tu veux mon avis, la meilleure solution avec un mari dépressif, c'est le bon petit plat. Mais quoi? Je t'assure, à chaque fois que Vegeta n'est pas satisfait de son entraînement, il pique une crise. Pour le calmer, je lui sers quelque chose de bon à manger et retrouve tout de suite son état normal. Vegeta, c'est un ventre sur pattes, ce qui n'est pas si étonnant, mais bon. Même dans son état normal, Vegeta n'est pas quelqu'un de très jovial. Si ça, ce n'est pas une preuve que les hommes sont faciles à comprendre, je ne sais pas ce qu'il te faut. C'est bien beau tout ça, mais je ne sais rien, je ne connais rien en cuisine. Aucun problème, mon père et moi, on va fabriquer un robot qui le fera à ta place. On n'aura qu'à lui indiquer la recette qui était vraiment un clin d'œil. Vous fabriquez ce genre de choses. Ouais, par contre, ça sera à toi de fournir les ingrédients. Une cuisine raffinée existe du premier choix. Tu as de la chance, Sangohan est là, il t'aidera pour les ingrédients. Bah oui, tu passes ton temps à tuer des cerfs, donc c'est bon. S'il te plaît, Sangohan, c'est pour Krilin. D'accord, je vais aider. Purée, encore le lapin congelé là. Non, mais arrêtez avec ça, hein. Peut-être qu'on les a, Marc. Hein. Force de faire des âneries, on les a peut-être déjà, les... Alors. Oh, 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 c'est beau. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Allô. Ce Sangoku qui travaille pas, à la place, il est mort, il abuse un peu. Pauvre Sangohan. Hein. Sangoku, il s'en prend plein la tête. J'ai chargé le robot dans l'avion. Ça y est, c'est 18, j'ai hâte de voir ce que... Purée, elle a fait vite, Bulma. Elle court tellement vite. Je vais voir ce que le robot va préparer. Ouais. Ça fait un moment qu'elle est comme ça. On fourre tout ça dans le robot pour le prochain repas. Ouais, ça devrait remonter le moral de Krilin à rien de temps. Attends un peu. Je devrais ajouter cette épice. C'est ce que Krilin préfère. Ah, je vois, il manque l'ingrédient magique. L'amour. Regarde-toi, c'est 18. Tu connais bien ton mari. Vraiment quelque chose, la nourriture, c'est toujours la même chose, non? Bah alors Sangohan, tu reconnais pas les goûts? C'est Sangohan, venant de ton père, ça ne m'aurait pas étonné, mais de toi. T'es peut-être un peu trop Saiyan au bout du compte. Quand on a tout, on va voir ce que ce petit génie a dans le ventre. Ah regardez, incroyable. Un moment rare, c'est 18 souris. Profitez-en. Prenez les screens, tout ça, tout ça. C'est 18 et son vrai nom, ou elle en a un autre, elle a un vrai nom, mais elle s'en sert pas. Parce que ça ne sert à rien d'avoir un nom. Parce que C17 et C18 s'appellent en réalité Lapi et Lazuli. Merci C18, je renais. Puisque tu renais, tu vas vite aller chercher du travail. Eh non, mais vous êtes terrible.
pour le régler. Par contre, j'espère que Krilin trouvera un bon emploi. Tiens, Tortue Géniale, comment s'est passé l'entraînement? Bah, Tortue Géniale, voilà comment s'est passé l'entraînement. Ah bah merci. Dis à Tortue Géniale comment s'est passé l'entraînement. Voilà. Tortue Géniale, voilà comment s'est passé l'entraînement. D'accord. Ah, dis à Tortue Géniale comment s'est passé l'entraînement. Bon, et voilà comment s'est passé l'entraînement, Tortue Géniale. Non mais, dis à Tortue Géniale, voilà comment s'est passé l'entraînement, Tortue Géniale. Voilà comment s'est passé l'entraînement, Tortue Géniale. Ah, c'est bon, c'est fini. Ok. Ah là là, c'était difficile. On a fait un bon entraînement avec Tortue Géniale, c'était beau. C'est 18, t'as les bons mots pour couper la petite crime. Attends, elle ne sait pas cuisiner, mais son emblème a 19 en cuisine. Ah ben, maintenant qu'elle a un robot, une machine, c'est bon. Tout le monde sait que tout... Et puis comme l'a dit Maître Ratatouille, tout le monde peut cuisiner. Ah, mais on voit Dende adolescent. ところでご飯、そのお菓子なんかこう言ってなんだ。やだな、ピッコロさんまで。これかっこいいと思いませんか？わ、わからん。それじゃ、僕そろそろ帰りますね。ああ。それではまた。 Oh, incroyable, nous n'avons pas de nouvelles quêtes qui se sont débloquées. Dende a grandi, eh oui. Tout le monde peut cuisiner, mais tout le monde ne cuisine pas bien par contre. Non, les personnes qui ne cuisinent pas bien, c'est juste qu'elles n'ont pas encore trouvé le bon truc. Incroyable, Sangohan dans sa tenue de guerrier doré. Je suis une vieille dame. お母さん、僕も出ちゃダメかな。天下一武道会優勝すると1000万銭もらえるんだけど、2位でも500万。1000万銭？出場しろごはんちゃん。おめえと悟空里で賞金1500万銭にももらえるんだべ。いや。 まだ勝てると決まったわけじゃ。いいや、必ずどっちかが優勝はするだよ。いや、天の恵みだべ。弟の財産も残り少なくなってどうしようかな。困るんだよ。お天、明日からの修行、兄ちゃんを手伝ってくれるか？うん。Le lendemain.待たせたな、ゴテン。まずは首から始めようか。うん。とりあえずスーパーサイヤ人になっていくかな。よっ。よし来い。兄ちゃんだけずるい。僕もなっていい？あ？スーパーサイヤ人にか？そいつはゴテンにはまだちょっと無理かな。 Y aura-t-il la séquence de Sangoten qui jette des cailloux? Ah, je crains que non. Ça n'est pas un passage. Goten, omae, sore, itsu goro kara? Wasurejatta. Shinjirarenai. Demo, shigyou no aite toshite wa saikou da na. Yoshi, hajimeru ka. Oh!
Ah bah alors, il s'est déjà volé sans Goten alors que normalement il peut pas. Oula, ça bourrine là, oula. C'est bien, on se bat dans les arbres. C'est beau. On ne voit rien. N'oublie pas la suite de son Goten ici. Voilà, là, et attends, on a même une belle cinématique pour terminer son Goten, incroyable. Bien joué sans Goten, sans Gohan. Goten ga super saiyajin ni nareta no wa ureshii gosan datta. Okage de ii shigyou ni natte tasukatta yo. Souieba, moshikashite pauvre Goten. Mais non, mais là c'est sûr que ah, il est pas tendre, c'est pas un grand frère tendre sans Gohan en combat. Ni-chan. Un petit enfant de niveau 57, tout de même. Il est vrai. Plus fort que Freezer, rappelons-le. Peut-être même plus fort que Cell, je ne sais plus. Il est possible.名簿を見れば簡単よ。それより空を飛ぶの教えてくれる約束でしょ。あ、もちろん教えるよ。ふーん。おめえ、お礼だとか言ってご飯ちゃんにエッチなことすんじゃねえだと。そんなことするわけないでしょ。いいだ。Oh, là, cette grimace incroyable. Yatta! Uita! Chotto uiteru yo! Sugoi janai ka! Tatta ichi nichi de ukeru yo ni natta nante! Sou kashira? Sakki ototo-san wa jiyū jizai ni tobimawatte ta kedo. Goten wa motomoto ki no kontororu ga bacchiri dekite tan da. Soko made dekireba あとはどってことないさ。すぐに飛び回れるようになるよ。また明日も来るわ。え?キノコともっと知りたいわ。それとも私がいたら迷惑?え、いや。 Donc plus on avance, plus les enfants sont abusés. T'imagineras la fille de Vegeta dégommer ses camarades de classe. Ah mais elle sera trop forte, elle sera même plus forte que Que Super Buu à Gohan absorbé. ピーテルさんの髪の毛だけど、もっと短くした方がいいと思うよ。え?ショート部屋の方がご飯くんの好み?え?いや、好みとかじゃなくて、試合するんだったら短い方が有利だと思ってさ。 Le lendemain. Ah, elle a même changé de vêtements. Oh, un nouveau modèle. Ça,
conseil dans la vie, n'énerve pas une tsundere. Bah mais il sait pas. Ah mais super, on l'a même gagné en communauté. Ah elle est forte. Elle a des muscles, incroyable. Comme tout le monde, on dira. Elle a rougi là, non? Ouais, elle a rougi, elle a rougi. Parce que on parle pas de ses cheveux impunément. Vegeta et Trunks se préparaient eux aussi pour le tournoi en s'entraînant dans les conditions difficiles de la salle gravité de la Capsule Corporation. Voilà, comme ça, exactement. N'en fais pas trop, Trunks. Tu devrais sortir pendant que tu en es capable. Ah, ça va être la scène! C'est même le thème des méchants et tout, attention. Attention. いつから超誕じゃない伝説の戦士と言われたスーパーサイヤ人にこうもあっさりとトランクスはいソン・ゴハンの弟とも慣れるのかスーパーサイヤ人にはいまるでスーパーサイヤ人のバーンスやフォアをスーパーサイヤンどうなってやがるんだまったく やっぱりビーデルさんはただものではなく10日ほどでかなり自由自在に飛べるようになった。Seulement 10 jours elle a appris à voler. おかげで僕たちはやっと5点と2人だけで本格的な修行に入ることができた。お父さんもやってくる。天下一武道会の日は近い。 Son Gohan il pense qu'à s'entraîner, c'est bon. C'est devenu un vrai Saiyan. C'est plus facile d'être prince des Saiyans avec un total de 3 sujets. Sangohan contre Sangoten. Tenkaichi Budokai mo majika ni semari. Sorezore no shitsujou yotei senshu tachi wa shugyou no saigo no shiage ni sei o dashiteita. Ah ouais, on voit l'entraînement de Sangoku jusqu'à l'épuisement. そしていよいよ始まった。本当に久しぶりの天下一武道会が。10 jours pour apprendre à voler, j'essaie depuis longtemps, mais bon, bof, bof, elle doit être plus douée. Ah non, mais elle est douée, Vidal. Elle est douée. Son père aussi, dans l'animé, il essaie. C'est très rigolo d'ailleurs, les passages où Satan il veut apprendre à voler comme sa fille. Ah, mais bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr, des quêtes secondaires encore et toujours. Bon, en tout cas, c'est la fin de sa première VOD de Dragon Ball Z Kakarot sans Kakarot. Donc, c'est Dragon Ball Z sans Gohan en réalité. Bref, merci à vous d'avoir regardé ce premier épisode. Enfin, c'est pas ce premier, mais voilà, cet épisode, je ne sais combien de Dragon Ball Z Kakarot. Et on se retrouve tout de suite pour vous, Twitch. Et. Un autre jour pour vous, YouTube. Salut, salut.